Mercenaires ou chiens de guerre, ceux qu'on appelle les affreux, aux Comores, en Rhodésie, en Amérique du Sud ou en Asie, pour l'argent, la gloire, le pouvoir ou simplement pour servir un idéal, ils évoluent autour du monde sur tous les points chauds. Vous faites partie de ces gens qui sont contactés assez régulièrement par les milieux de mercenariat? Oui, je suis contacté assez souvent, mais ça s'est passé tout bêtement. Étant ancien d'Algérie, j'ai des tas de copains qui se sont retrouvés de l'autre côté de la barrière à une certaine époque. Mmh. Et au bout de quelques années, quand j'ai retrouvé tous ces copains-là, j'ai eu des contacts intéressants. Et quand il y a eu des missions qui se sont préparées ou que ce soit, souvent on m'a eu demandé de participer. J'étais convoqué pour une opération au Togo. On m'a proposé 20 000 $ pour un voyage d'un mois ou deux. En général, le recrutement de mercenaires se fait de la même manière. Vous pouvez m'expliquer un peu en détail? Pour moi, personnellement, c'était comme ça. Oh, j'ai eu encore d'autres contacts, bien souvent. Puis aussi, par les petites annonces, sur des revues spécialisées, notamment des revues américaines, comme Soldier for Fortune. Et la dernière information que j'ai trouvée, c'est dans une revue, je ne me souviens plus laquelle d'ailleurs, j'ai écrit tout bêtement à cette association, à Amsterdam, où un dénommé révolutionnaire, Georges Becker, recrute en fait des mercenaires pour le Suriname. À Amsterdam, une société fictive recrute. Son adresse, une simple boîte aux lettres à la poste restante. Le courrier est acheminé ensuite dans un coffee shop au cœur du quartier sensible de la capitale. C'est derrière ce rideau de fer que des centaines de curriculum vitae sont triés par les recruteurs. Des entretiens aboutissent ensuite à la sélection d'une trentaine d'hommes. Les choix se font sur leur motivation, l'esprit d'initiative, l'âge et surtout les compétences militaires. Entre le Suriname et la Guyane française, sur le fleuve Maroni, des mercenaires américains vont rejoindre leur base. Instructeurs, ils sont là pour entraîner à la guérilla la résistance surinamienne qui lutte contre le régime en place. Mercenaires, définition du dictionnaire, soldat qui sert à prix d'argent un gouvernement étranger. L'ONU interdit et réprime le recrutement de mercenaires et une commission internationale d'enquête s'est créée au printemps 76 pour s'interroger sur la définition à retenir. Trois points sont à souligner: l'absence de lien de nationalité avec l'État sur le territoire duquel opère le combattant, le mobile financier qui le pousse à combattre et le caractère volontaire de son engagement. Je suis un petit peu un enfant de mai 68, j'avais 17 ans à l'époque. Et après ce grand chamboulement au niveau des idées, ce qui se passait dans mon pays ne m'engageait pas à y rester. Et j'avais envie d'aller aux quatre coins du monde pour essayer de mettre ma peau à l'époque au bout des idées qui étaient les miennes. Et j'ai choisi la Rhodésie qui se battait un petit peu seule contre tous. Eh bien, en quittant l'armée rhodésienne, je suis parti dans l'archipel des Comores, dans l'océan Indien, aux côtés de Bob Denard, qui avait organisé le coup du 13 mai 78 et qui avait pris l'archipel. Alors, ce travail consistait à faire du recrutement de personnel pour les Comores, consistait à savoir un petit peu ce qui se passait sur le continent africain, donc à faire une revue de presse hebdomadaire sur tous les événements qui agitaient l'Afrique. Nous étions abonnés à toute la presse qui, en France et à l'étranger, publiait des reportages sur l'Afrique. Et un autre volet consistait également à fréquenter tous les milieux opposants africains en exil qui vivaient à Paris. La connaissance parfaite des groupes de dissidents n'a qu'un seul but, leur proposer de prendre le pouvoir.
Moyennant finance, les mercenaires organisent l'opération. Le dédommagement se présente sous diverses formes, du contrat de longue durée pour la protection du nouveau président au remerciement en nature, quelques petites sociétés, par exemple, dans le pays concerné. Un coup d'État, c'est un client, une reconnaissance, enfin une étude de faisabilité, une reconnaissance, un recrutement, un achat de matériel, un plan opérationnel, une action sur le terrain, l'arrivée du nouveau président et la mise en place autour du nouveau président d'une unité capable de maintenir la stabilité dans le pays. Mais alors ce client, comment on le trouve? Est-ce qu'il vient vous trouver ou alors... Faut chercher pour trouver. Et en 1983, la Légion islamique de Kadhafi, soutenant les troupes de Goukouni Wedei, a pénétré à l'intérieur du territoire tchadien pour reprendre le pouvoir. Donc je suis parti là-bas avec deux personnes qui avaient été aux côtés d'Issénabré. Et nous avons essayé de négocier une aide que nous aurions pu lui apporter. Mais Issénabré avait déjà l'aval du ministère de la Coopération pour l'utilisation d'occasionnels, appelons-les disons de mercenaires, si vous voulez. Et donc notre proposition se révélait totalement non fondée à un moment. Et ces mercenaires étaient payés par qui? Ces gens-là ont été payés, l'argent venait au départ du ministère de la Coopération. Et par qui en particulier? Eh bien, cet argent a transité par le carrefour du développement. Ce qui, pour moi, n'a rien de choquant, car lorsqu'on est dans une situation difficile, et qu'au niveau international, il est difficile d'envoyer des troupes pour se mêler directement des affaires intérieures d'un pays, la seule solution qui reste, de façon à être fidèle à des engagements passés, c'est-à-dire des accords de défense qui existent, c'est de recruter au plus vite des occasionnels qui agissent en tant que pompiers. Ça a eu lieu au Tchad, pas exclu dans le futur, ça a eu lieu dans un endroit différent. Vous êtes prêt à partir? Plus on prend de l'âge, plus on devient exigeant. Je ne suis pas prêt à partir pour n'importe quoi et il faut que la cause, il faut que l'enjeu envahisse la chandelle. Aujourd'hui, lorsqu'on parle du mot mercenaire et que l'on parle d'argent, de fortune, de coûts, etc., moi, je pense à tous ceux qui ont laissé leur peau dans le désert tchadien, dans la jungle birmane ou dans la brousse rhodésienne. Et pensant à eux, je me dis que les qualificatifs ne pèsent pas grand-chose par rapport à l'idée qu'ils avaient de la justesse de leur cause. Mourir pour une cause qui n'est pas tout à fait la sienne propre. Mourir pour de l'argent presque sale, le risque du métier.